Bonsoir Jean. Bonsoir Robin. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous Taisez Je l'ai fait plus aigu cette fois. Ouais, moi je l'ai <laughs> complètement raté encore <laughs> une fois. <laughs> Ça va aller. On va se coordonner au bout d'un moment, on va y arriver, on aura un beau générique. Ce soir nous avons un invité qui va venir nous parler de sa thèse. Il s'appelle Robin et il fait une thèse en droit. Alors pour les gens, euh, ne vous inquiétez pas, c'est un autre Robin. C'est un autre Robin, voilà. Nous serons deux Robins. Pas de schizophrénie ce soir, mais <laughs> je suis un autre Robin. Vous pourrez l'entendre au fait qu'il a une voix différente de la mienne. Ça joue. ça joue, ça joue, ça joue. c'est bon. Voilà, donc bonjour Jean, bonjour Robin, mais bonsoir à toi, et bonsoir. Merci, merci de venir. Es content Je là. suis très content d'être là, merci beaucoup de de me convier pour parler de cette thèse ma foi tout à fait normal parce que de toute façon je n'ai rien compris à l'intitulé donc comprendre. tu vas m'expliquer je vais pouvoir te le refaire du coup c'est je travaille sur l'efficacité des moyens en contentieux administratif c'est le contentieux mots que tu n'as pas compris alors le contentieux déjà il est un peu ouais, ouais. Et, c et les, les moyens de... en fait c'est l'enchaînement des mots qui me perturbe ça me paraît dis... pas naturel peut-être ouais, ouais. Pas du tout pas <laughs> je pas, comprends. pas des mots qu'on utilise je normalement me dis, mais qu'est-ce qu'ils qu font tous ensemble je comprends tout à fait bon je vais partir du tout début alors vas-y donc moi je travaille en contentieux administratif le contentieux administratif c'est tu sais c'est quand il y a des embrouilles, exactement, c'est dès que tu vas voir le juge. Donc le contentieux administratif, c'est une branche du droit, du droit et plus précisément du droit public et encore plus précisément du droit administratif. Droit public qui s'oppose avec quel droit Qu'on oppose euh, principalement au droit privé. Public, c'est les lieux publics et privé, c'est. Alors chez on va soi, dire plutôt. Chez... Non, ouais, c'est as... un peu ça, c'est plutôt droit privé, les relations privées d'accord. Et droit public, dès lors que, il euh, y a une, y a, euh, y a une situation avec une personne publique, ou, euh, une action publique, ou une action administrative qui, en tout cas, une action qui est régie par euh, l'intérêt général. Et une personne publique, on rappelle que c'est pas un individu. Exactement. C'est pas une personnalité. C'est voilà. une personnalité. Voilà. C'est une personne publique, c'est une entité, entité en fait. C'est une entité, exactement. C'est ce qu'on appelle une personne morale, qu'on, euh, oui. voilà, que l'on, euh, que l'on oppose à une personne physique. Toi, moi, Jean, est, on est tous des personnes physiques. Une personne morale, ce sera, par exemple, et comme, L'exemple d'une personne publique, ce sera une commune, une région, l'État. L'État, c'est une personne publique. D'accord, voilà. ok, très bien. Voilà. Et donc, je travaille euh, sur l'action de ces personnes publiques notamment. Et donc, le contentieux administratif, c'est tout ça, c'est tout, tout le contentieux qui est en rapport avec ces personnes publiques. Et donc, moi, mon travail, enfin en tout cas mon sujet de recherche, porte sur l'efficacité des moyens en contentieux administratif. Donc, les moyens, c'est ce qu'on met en œuvre pour régler ces... Donc, on a défini contentieux administratif, maintenant, on va définir moyens. <laughs> Et... Et oui, mot par mot, tout va bien se passer. C'est comme... Euh... Ça me paraissait presque simple. Il y a là, des mots, il y a des mots. Difficile aussi dans notre matière. Alors, moyen, c'est aucun rapport avec les moyens mis en œuvre et ça pourrait pas, tout à ouais. fait être. Euh, Parce que ça aucun... sonne pareil en fait. Mais Exactement. <laughs> mais c'est les moyens financiers Pas du tout. Pas vraiment, vraiment tout. Pas. Non, en fait, les moyens, ce qu'on appelle les moyens en droit et en contentieux, ce sont les arguments que tu vas présenter devant le juge en fait. Quand tu vas dire, monsieur le juge, ça c'est illégal pour telle raison, dire ça c'est illégal pour telle raison, c'est un moyen. Et là, par contre, argument, c'est dans le sens d'argument. Oui, exactement. oui argument. c'est pas un terme juridique. J'ai mis 15 heures la main Non, mais c'était une vraie question. Oui, mais bien fait de la poser, non. Argument, on on peut l'utiliser en droit. C'est Sans problème. Sans problème. Donc, moyen, c'est défini, c'est bon. Et enfin, efficacité, bah, c'est simplement, là, c'est vraiment un terme. Là, c'est vraiment l'efficacité. C'est hein, l'efficacité, mais c'est dans le sens un peu stratégique, dans le sens, euh, quels vont être les moyens les plus efficaces, quels vont être les arguments qui vont faire mouche dans le contentieux administratif. Et toute ma thèse, c'est ça. En réalité, ça va être d'étudier, donc, ma source principale d'étude, ça va être les décisions de justice. Les décisions du juge administratif, en l'occurrence. Comme je t'ai dit, il y a une, il y a une, une dichotomie entre le, juge privé, enfin, le droit privé et le droit, euh, droit public. Donc, le droit privé, ça va être le judiciaire, tout ce qui est pénal, civil, commercial, ou encore le social. Quand je dis social, c'est les prud'hommes. Le truc des séries, quoi. Exactement. Alors, ouais. est-ce que tu peux juste me rappeler les prud'hommes Parce que je t'avoue que Les prud'hommes, c'est tous, ouais, mais... tous les contentieux, alors, non, ce qu'on appelle en droit social, mais c'est le droit du travail. D'accord. Dès que, dès que tu es licencié et que tu souhaites contester. Petite chaudière La chaudière. Euh, dès que tu es licencié et que tu souhaites contester ce licenciement, tu vas au, devant le Conseil de prud'hommes. Voilà. Donc tout ça, c'est le judiciaire et ça ne me concerne pas particulièrement. Et à côté de ça, tu as l'administratif, le, 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 le juge administratif, la juridiction administrative qui traite tous les contentieux, tous les procès en fait, euh, qui impliquent forcément au moins une personne publique. Et quand je t'ai dit personne publique, je t'ai dit commune, région, département, État. Dès lors que tu veux contester l'action d'une administration, tu vas devant le juge administratif. Et moi, je m'intéresse à l'œuvre de ce juge administratif, aux décisions qu'il va rendre tous les jours, en fait. Et en gros, euh, quand tu dis, tu as un juge administratif et un juge euh, pénal Notamment, oui. Enfin, ouais. c'est le juge judiciaire. Ok, judiciaire. Un juge administratif et un juge judiciaire, ils ont la même euh, pas fonction, parce que je pense que ce n'est pas le terme, ils ont la sorte de même fonction, mais avec deux domaines différents d'expertise, en fait. C'est ça. Tous les deux, les deux sont juristes, les deux sont magistrats. Euh, néanmoins, voilà, leur, en gros, leur source, bah, en gros, pour faire simple, ils vont pas utiliser les mêmes codes. Euh, voilà, tout simplement, ils vont appliquer le droit français, mais pas le, exactement les mêmes droits, pas les mêmes, pas les mêmes, domaines de spécialité. Donc pas le même sujet. Hein. Pas le même sujet, non. Mais pour autant, le juge administratif peut très bien appliquer du droit judi, fin, du droit privé, euh, et inversement, le juge judiciaire peut parfois appliquer les droits publics. Euh, juste sur efficacité. Oui. Comment tu vas doser une efficacité en, ouais. en droit C'est toute la difficulté, de, toute la difficulté et toute la nuance de la définition des termes de ce sujet. Euh, L'efficacité, je vais la porter, euh, enfin je vais la relier à la stratégie des parties et surtout, à en gros, tout simplement, à savoir si l'argument va faire mouche. Si, en gros, en fait, il euh, y a une technique contentieuse, enfin pas une technique contentieuse, c'est juste la manière dont va fonctionner le juge et qu'on va voir dans la décision qu'on va pouvoir lire. Euh, en fait, il va accepter ou rejeter un argument accepter ou rejeter un moyen, en fait. Et donc, je vais dire que c'est efficace dès lors qu'il va accepter le moyen. Tout simplement. D'accord. Voilà. À partir du moment où le juge valide l'argument... Pour moi, c'est efficace. Pour toi, c'est efficace Pour moi, c'est okay. efficace. Après, il y aura il y a divers degrés d'efficacité aussi que je, vais, que je vais insérer, et dans ce cas-là, ça va être plutôt dans l'angle stratégique. Et dans ce cas-là, ça va être plutôt de dire ben, « En fait, on peut avoir, par exemple, deux moyens, deux arguments qui vont être efficaces. Ben, je vais dire... Préférer, par exemple, cet argument-là, puisqu'il est plus efficace, en tout cas au niveau stratégique, il sera, il sera beaucoup plus opportun de l'utiliser, dans ce cas-là. Et euh, là, du coup, c'est le thésard scientifique qui va parler un petit peu, mais mm -hmm. euh, quand. Et je tu... suis scientifique aussi, hein. Oui, c'est la science non, humaine et sociale. science dure, Alors, Voilà. On comme on dit. Et nous, c'est la, des... <laughs> après... la science molle. Je savais que ça allait être faire la science molle. C'est les vrais termes. Te science molle. la science dure. C'est la science, quand tu dis science en mode film, et science molle, bah, c'est tout ce qui est l'étude de science. C'est parce que c'est beaucoup plus flexible, du coup. Ouais, c'est en fait c'est un peu ça c'est plein de nuances et en tout cas c'est très sujet à l'argumentaire c'est voilà, des données voilà beaucoup plus brutes qu'on va avoir euh, voir expérimental on peut avoir des données expérimentales en sciences, en sciences sociales, ça on ça utilise euh, oh, oui, euh, oui voilà. tout à fait ouais. voilà mais... moi je vais te demander du coup si tu disais par exemple l'efficacité tout ça est-ce que euh, pas toi forcément mais dans en droit parce que j'ai rencontré des gens en social euh, qui, qui utilisaient des statistiques. Est-ce que, est que vous, vous faites des statistiques ou des trucs comme ça Vous ou... avez, il euh, y, y, y a des recherches qui utilisent les statistiques. Les il statistiques. y a beaucoup de thésards, même, endroit qui utilisent les sciences sociales, la, la, la sociologie, euh, qui est très intéressante, même pour nous, juristes en droit public. Euh, c'est des données qui sont très intéressantes. Le problème, pour nous, euh, juristes, c'est qu'on n'est pas formé à utiliser ces, les, euh, statistiques. Ces, les statistiques ou même les sciences, la sociologie, par exemple. Et le chercheur qui veut partir là-dedans, utiliser ça, il a forcément une méthodologie à acquérir donc ça prend beaucoup plus de. temps okay. Du coup, toi, si un jour tu as besoin de statistiques, tu vas faire appel à un bureau d'études de stats ou à des gens et puis. Oui, oui, tout simplement ou, à, ou en tout cas la branche de mon université qui okay. utilise la sociologie, comme on, on peut avoir des contacts assez facilement. Et euh, oui, pas forcément. Moi, développer des euh, des études statistiques, c'est plutôt utiliser des résultats déjà faits. Ok. Voilà. Euh, du coup, si on a bien défini le sujet de la thèse, mm -hmm. j'ai une question. Mm -hmm. Comment tu fais ça Alors. J'utilise en fait plusieurs sources, plusieurs sources pour en gros définir ce qu'est l'efficacité des moyens. Ma source principale, ça va être simplement, bah, comme je t'ai dis, l'œuvre du juge administratif. Donc en gros, les décisions de justice, les jugements, les arrêts rendus par le juge administratif. Je récupère du coup les dossiers à la fin de chaque. En fait, tous les tous les jugements, c'est ça qui est euh, qui est intéressant, c'est que tous les jugements sont rendus sont publics. Ah d'accord, je savais pas tu vois. Tous les, les jugements en France sont rendus ce qu'on appelle au nom du peuple français, et ils sont euh, ils sont d'ailleurs tous en, rendus en audience publique, hormis huis clos, euh, mais il y en a rarement quand même en administratif, voire pas, je ne sais pas, sera pas. Euh, et donc j'ai accès à l'ensemble des, des décisions. En fait, qui sont publiés après. Ce qui est bien, c'est que dès lors qu'une décision est publiée, le juge va lui-même la répertorier, savoir si elle est importante ou non. On va même avoir parfois des juridictions qui vont rendre des communiqués de presse tellement leur leur leur, leur, leur décision est importante. Et dans ce cas-là, bah, évidemment, moi j'ai arrivé, j'ai mes yeux dessus pour me dire ah, mais ça c'est vraiment important. Ça sera, ah, ce sera... pardon, C'était donné ça du coup. En fait, ça c'est ma, do... mais c'est l'une de mes données. L'une de tes données. De... Ouais, mais okay. c'est ma donnée principale, c'est la jury... ce qu'on appelle la jurisprudence, euh, c'est l'ensemble des décisions rendues par le juge. Voilà. Les, les décisions que tu disais qui étaient rendues publiques euh, dans les communiqués de presse, c'est par exemple celles qui sont très médiatisées. Euh... Qui vont être très, médi très médiatisées, bah, par exemple. En juge... Pour donner un exemple d'ailleurs de contentieux administratif très simple, bah, ça va être... Euh... Tout, euh, tous les référés. Donc les référés, c'est les procédures d'urgence qu'on peut avoir. Tous les référés qu'on a eu pendant la crise du Covid, pendant la crise sanitaire. Euh, tous ceux qui ont pu contester le confinement, tous ceux qui ont pu contester le port du masque. Tous les maires qui ont voulu imposer un couvre-feu, imposer le port du masque, etc. Tout ça, c'était devant le juge administratif. Et donc des grandes décisions, ça va être en général le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction en France euh, en matière de contentieux administratif, euh, et donc qui va rendre des grandes décisions et qui va dire, qui va se dire qu'elle est importante et dans ce cas-là il va faire un communiqué de presse et dans ce cas-là évidemment cette décision sera importante mais la jurisprudence n'est pas ma seule source et je vais utiliser ce qu'on appelle la doctrine donc la droite ce n'est pas une secte promis <laughs> euh, la doctrine qui est simplement en fait euh, les commentaires et euh, l'œuvre un petit peu c'est un petit peu de la littérature de la littérature juridique euh, c'est simplement les professeurs de droit et euh, les acteurs du domaine juridique, donc ça peut être des magistrats, des avocats, des chercheurs, même des doctorants, euh, qui publient des articles, en fait, qui vont soit commenter des décisions, et dans ce, ce cas-là, moi, ça va m'aider à mieux comprendre les décisions, soit simplement sur des grandes notions euh, intéressantes, bah, par exemple sur les moyens, euh, ou euh, sur même la notion même d'efficacité, par exemple, qui peuvent publier des articles, et c'est aussi donc une source pour moi, qui est la doctrine. Non et ça, du coup, c'est moi, du coup, je essaye, euh, vais essayer à chaque fois de faire un petit parallèle. Avec euh, mm -hmm. ce que je fais moi, euh, est-ce qu'on peut dire que par exemple, tout ce que tout ce dont tu parlais euh, avant, euh, les décisions en gros, moi, enfin, moi, ce que j'interprète avec mon cerveau euh, de science dure, mm -hmm. euh, ce que j'interprète, c'est que en gros, euh, ça va être tes données, ouais. toutes ces euh, décisions, et ensuite, le, la deuxième, le deuxième aspect dont tu as parlé, c'est euh, tout ce qui est euh, écrit par les professeurs et le temps et tout. Ça, ça va être plus ta bibliographie en fait, Donc, pas du tout. Ça va être plutôt... Alors oui, c'est vrai que vous, en sciences dures, vous oui, avez plutôt je... cet aspect. Alors oui, ce sera ma bibliographie, effectivement. Ouais. Euh... Mais ça, ça te sert aussi de donner, entre guillemets. Ça me sert aussi de données parce que ce qui est très bien avec ce genre d'articles, bah, c'est qu'ils recroisent eux-mêmes plein d'articles. Et donc okay. moi, je vais l'utiliser, je vais aller piocher à droite, à gauche. Okay. Parce que ouais, nous, c'est genre, en gros, on a une bibliographie, là, comme mm -hmm. tu disais, des, des doctorants et tout, des mm -hmm. chercheurs qui font des, des papiers. On s'appuie sur ça pour ensuite faire des expériences qui nous donnent des données. Et après, on fait un résumé de tout. En fait. Et mmh. toi, ça va à la fois servir deux bibliographies. C'est ça, ça me sert autant en amont qu'en aval. En okay. fait. Voilà. Et, euh, et au-delà, j'ai dit doctrine, mais je me sers évidemment d'autres choses, je me sers évidemment d'autres thèses, puisqu'évidemment beaucoup de choses ont été faites dans la matière. Bon, a priori, l'efficacité des moyens en contentieux administratif ça n'a jamais été traité. Néanmoins, il euh, y a toujours bah, des, des sujets un peu connexes, euh, dont, en tout cas qui traitent de notions dont moi, je vais me servir. Pour, mon, euh, pour ouais. mon sujet. Et donc, les thèses, je m'en sers forcément aussi. Est-ce ouais. que tu vas du coup aussi analyser en direct sur des, sur des plaidoyers qui peuvent avoir lieu, genre actuellement où, euh... Alors bon, l'intérêt, cr crise de Covid, mais euh... peut-être pas en crise de Covid, mais c'est tout l'intérêt aussi. Enfin, moi, là, euh, tu l'auras peut-être compris, mais c'est un sujet très pratique en fait. Il euh, y a des sujets très théoriques qui vont travailler sur des grandes notions. Si je te parle, je ne sais pas. Il y, y a des thèses sur l'intérêt général, sur le, la notion de service public. Enfin euh, voilà. Ah, D'accord. Ça, ouais. ça fait très, très. C'est des mecs qui s'arrachent plus les cheveux que toi normalement ça. Voilà, mais je m'arrange quand même du coup <laughs> aussi. Voilà. Mais, euh, mais c'est là que vraiment on peut, on peut comprendre le sens de science molle, dans ce genre de... Tu, de... tu veux dire qu'il y a des thèses aussi dans le droit qui peuvent limite se rapprocher de, de, de la psychologie, en fait, enfin de la sociologie Alors oui, comme je t'ai la dit, philosophie aussi. La philosophie euh, du droit, d'ailleurs. Même ouais, plus philosophie. la philosophie du droit, on a ce qu'on appelle des matières, on appelle de théorie du droit. Euh, et donc là c'est plutôt des, des thèses qui vont se rapprocher de ça, moi c'est beaucoup beaucoup plus terre à terre, hein. c'est vraiment juste euh, on va devant le juge, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas t'as dit théorie du droit, ça a parcouru le corps vraiment. Cadeau. <laughs> non, non, mais c'est très très intéressant, intéressant voilà et donc voilà le but de cette thèse, elle est assez, il est assez, assez simple, assez pragmatique. C'est simplement offrir. Bon, j'ai pas du tout, euh, pas du tout l'ambition de que ma thèse soit utilisée un jour, mais si c'est le cas, je, suis, je serai le, le, le chercheur le plus heureux du monde. Mais euh, c'est d'offrir en fait aux parties. Donc les parties, ça va être les, euh, les acteurs du procès, ça va être bah, le, le demandeur et le défendeur. Le demandeur, ça va être celui qui va aller devant le juge pour dire, Monsieur le juge, ça c'est illégal. Et le défendeur, ça va être bah, celui qui a fait a priori la chose illégale et qui va dire, mais non Monsieur le juge, ça c'est pas illégal. Pour telle ou telle raison on dit demandeur et pas accusé et plaignant alors euh, <laughs> en fait en comptant eh, ce... que ah, quand le, le problème de quand on parle de droit c'est qu'on revient souvent au droit pénal mais c'est normal parce que c'est le droit, c'est le droit le plus euh, le plus connu, le plus euh, médiatisé, euh, le plus ce voilà, est, ce qui est tout à fait normal. En fait, non, euh, en, en droit donc on a un vocabulaire bien précis oui. et on est assez à cheval là-dessus. C'est pour ça que je viens là. Hein. Voilà. La loi ne stipule pas, s'il vous plaît. Ah oui, elle dispose. je Alors est-ce qu'on peut faire un tout petit aparté là-dessus parce que oui. moi j'ai pas compris. Okay. <laughs> ça c'est un truc qui se bat, je pense, depuis qu'il est en première année d'études. <laughs> <laughs> oui, oui, oui. En gros, bon, on a un vocabulaire euh, assez précis et c'est assez simple en fait à comprendre. Euh, la loi dispose et le contrat stipule tout simplement parce que la loi ce sont des dispositions dans le code civil, dans le code pénal dans n'importe quel code tu as ce qu'on appelle des dispositions point des dispositions elle dispose, la loi donc elle dispose ensuite tu as des contrats qui ont des stipulations en fait chaque article 1 de ton contrat ce sera la, la première stipulation de ton contrat et dans ce cas là ce sont seulement des clauses contractuelles et qui vont stipuler donc, le, la loi c'est quelque chose qui n'est pas changeable alors que le contrat c'est un peu quelque chose que tu crées alors... Euh, si tu cherches un lien à ce, à ce niveau de, j'essaie de simplifier vraiment pour. Bien alors oui, il y a aucun... alors, en vrai, il y a aucun rapport. C'est vraiment juste euh, sur le changement. Et a... alors la loi en plus, on peut la changer. Euh, bon, avec des. Oui, la loi peut changer, mais je veux dire pour qu'elle change, il faut qu'il y ait tout un processus de passer par. Ah ben, bah, oui, pour passer le par... par le Parlement. Alors que le contrat, par... par exemple, on peut faire un contrat tous les deux et ce contrat-là stipule quelque chose. Euh... Tout à fait. Alors oui, tout à ouais. fait. Alors il n'y a aucun rapport, je pense, entre, enfin sur le vocabulaire en tout cas entre disposer et stipuler et sur donc la manière de changer ou non. Euh, mais si on parle là-dedans, euh, effectivement, pour changer la loi, c'est des procédures beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourdes que que de changer une clause contractuelle si on fait un contrat, toi et moi. Mais néanmoins, tu as des euh, tu as des contrats qui sont très très lourds. Je sais pas, tu prends un contrat entre deux pays, là, ça va être compliqué de changer les. Mais c'est toujours possible. Ah, effectivement, sur la partie euh, dispose et stipule. Voilà, on est parti. On, sent, on sent le le chargé de t'aider euh... oui parce que je donne des, <laughs> je donne des cours aussi et du coup je voilà, j'utilise un petit peu ces arguments aussi voilà de temps de temps à autre bon, on et y alors, reviendra un petit voilà, peu après à ça sûr. du coup et donc ouais pour revenir sur ce que je disais sur le but le euh, but de cette thèse c'est d'offrir euh, ouais. aux parties donc les parties encore une fois demandeurs défendeurs et donc pour répondre à ta question demandeurs défendeurs c'est le vocabulaire du contentieux administratif et accusés c'est du pénal c'est en assise. voilà ok très bien voilà. Euh, voilà, donc le but, c'est de fournir, du coup... Euh... Et donc c'est de fournir aux, aux parties en fait, toute une stratégie, euh, un petit peu clé en main, et d'arriver de, 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 avec une, une thèse, et de leur dire, ben bah, regardez, vous avez tel problème, euh, vous voulez aboutir à telle solution, ben bah, préférez cette, euh, cette approche plutôt que celle-ci. Voilà, et en fait, et, et c'est ça aussi tout l'intérêt, c'est que je souhaite, euh, j'ai pas pu le faire la première année, à cause de confinement, euh, c'est de... En fait, pendant mon master 1 et mon master 2, j'ai travaillé avec un cabinet d'avocats et qui m'a fait découvrir vraiment le côté pratique de la chose et ce qui m'intéresse aussi avec la thèse, c'est de vraiment, on, on comprend que le droit, c'est vraiment fait pour être pratiqué. Euh, et c'est un petit peu aussi ça qui peut interpeller dès qu'on se dit, mais pourquoi il y a de la recherche en droit C'est ouais. un peu bizarre, quoi. Euh, et bref. Et donc le but, c'est d'offrir euh, à clés, ces en fait. parties euh, vraiment les clés pour aller le plus vite possible et euh, aller au plus efficace possible. Parce que vraiment, le temps, c'est toujours, enfin, le temps et même aller au plus efficace, au plus simple, euh, c'est toujours une problématique qui est centrale pour euh, l'avocat, euh, autant pour le magistrat. Le magistrat, il cherche à aller au plus vite possible. Mais même pour nous, en tant que... Bon, alors je sais pas si ça nous concerne nous directement en tant que personne... Enfin, veux je veux dire particulier... ⁇ Individu. Individu, voilà. Ouais. Euh, toujours dès qu'on entend euh, tout ce qui est procès, que ce soit en pénal ou en administratif, c'est toujours... Euh... Enfin, des fois on n'ose même pas le faire parce que justement c'est une... un temps fou. Uh -huh. Et c'est beaucoup d'investissements, de... De... d'énergie, de temps, d'argent. Uh -huh. Et du coup, toi, ça serait euh, en gros une sorte de raccourci. Alors oui, ce serait, mais... ce serait, alors ce serait pas évidemment un, un manuel à vendre, non, ouais, ouais, à vendre en tête de gondole chez Mo, chez Mola, gagner vos procès en 5 minutes. Euh, euh, voilà. Ce serait génial. Ce serait magnifique, ce serait magnifique. <laughs> mais j'ai pas encore. <laughs> cette... Autre plan de carrière pour toi. <laughs> voilà. Donc euh, écrire des livres pour faciliter... Enfin, en, en tout cas, c'est vrai que c'est une thèse qui permettrait euh, une meilleure accessibilité au contentieux qui est extrêmement brumeux. Enfin voilà, je t'ai juste à peine dit le mot contentieux, tu à failli tomber de ton tabouret. Complètement. Voilà. Donc euh, c'est vrai que c'est une matière qui est extrêmement brumeuse. Déjà le droit administratif. Ça fait peur. Euh, et le contentieux en encore plus, c'est des règles très techniques qui mêlent ces règles un petit peu très particulières, euh, qu'on connaît absolument pas. Très clairement, en tant que quelqu'un qui n'est ne, pas dans le droit, genre j'ai absolument jamais envie de me retrouver dans cette situation, voilà. Je ah, non, de oui, devoir trouver un Je avocat comprends. ou quelqu'un. Que... Non, non c'est vrai, vraiment. que c'est un pote à moi. Voilà. <laughs> c'est uniquement pour ça, vraiment. Mais attends, mais moi j'avais aussi une petite question du coup par rapport à ce truc que tu dis euh, un peu euh, des moyens, enfin une clé euh, pour les gens. Euh... Dans les thèses, en, je refais un parallèle, hein, mais dans les thèses en sciences, on travaille sur quelque chose euh, qui, qui nous nous parle et à terme qui sera utilisable par des particuliers. En fait. euh, mais jamais quelqu'un qui va lire ma thèse, euh, donc moi j'ai une thèse en sciences du vin, jamais un viticulteur peut aller lire ma thèse et dire tiens c'est comme ça que je vais faire du vin. Toi, un, une personne publique ou euh, un particulier ou un individu, euh, il ne peut pas lire ta thèse et savoir euh, comment faire. Il faut que ça passe par d'autres si. gens, non ah ouais un individu bon qui est un petit peu n'importe quel individu pourra s'il est un peu éclairé en droit parce que je vais utiliser un, un vocabulaire peut-être un peu un peu un peu particulier mais n'importe quel individu qui a un, un petit peu de d'éducation en droit euh, pourra très bien utiliser ma thèse d'autant que ce qui est intéressant c'est qu'en contentieux administratif, il y a des contentieux donc ça je l'ai pas dit mais en gros il y a deux grands contentieux enfin deux deux grands recours que l'on peut exercer c'est d'une part le recours pour excès de pouvoir je vais les définir après. Mais le recours pour excès de pouvoir d'un côté et le recours de pleine juridiction de l'autre. Le recours pour excès de pouvoir, ce qui est intéressant d'ailleurs pour l'administré, le, pour le, on l'appelle l'individu, c'est que ce recours, tu peux l'exercer sans avocat. Tu as le droit d'aller devant le juge sans, sans, avec vraiment un courrier et de dire, euh, voilà, je voudrais que vous jugiez cette affaire et le juge va dire oui, ok. Comme dans Will Hunting. Je, je... Pas vu. je me suis arrêté au bout de... 30 minutes après regarder avoir regardé ce film. Non. Je suis désolé. Tu C'est parti pas. en histoire d'amour. J'ai fait. Non, ça me change. Euh, <laughs> pour pour visualiser dans Will Hunting, euh, si je dis pas de bêtises, je crois, je sais plus si c'est, je crois que c'est une baston qui se passe et le, les gars fuient, ils se font arrêter par la par la police et ils se retrouvent au tribunal et ils se défendent tout seul. Bon alors là c'est le système américain. Euh, oui, en plus, on est euh, dans un système américain. Voilà, c'est le système américain, voilà. Donc, euh, non, je dois t'avouer que je... Mais je suis pas sûr qu'il y ait de recours pour excès de pouvoir, d'autant plus que là, c'est du, oui, du pénal. Donc, en il fait, y, a peu, pas de, du... y okay. a peu de, de rapports, effectivement. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il se défend tout seul, et là, c'est la même chose. Tu peux venir devant le juge administratif et te défendre tout seul pour dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. C'est vraiment le seul point commun que je vais trouver. Mais <laughs> c'est bien, tu en as trouvé. Et ça, c'est bien. Petite aparté aussi de vocabulaire. Euh, aux États-Unis, on dit votre honneur. pour le juge. En France, on dit monsieur ou madame, le président. Okay. Alors qu'il n'est pas président. Si, il préside, il préside la, la, la cour. cour. Ah, J'avais le vocabulaire de la cour. Bien joué. <laughs> Tout simplement. Euh, et bref, donc il y a ce premier recours, qui est le recours pour excès de pouvoir, okay. donc, auquel, qui est accessible au, à l'administré sans, sans avocat. Et l'autre à côté, qui est le recours de pleine juridiction, ce qu'on appelle aussi recours de plein contentieux. Et en gros, ces deux recours se diffèrent simplement sur les pouvoirs dont dispose le juge. Euh, le recours pour excès de pouvoir, le juge peut seulement, globalement, seulement annuler euh, le, la décision du, de l'administration. D'accord. Alors que euh, dans le recours de plein contentieux de plein de juridiction, le juge aura beaucoup plus de pouvoir à sa disposition. Il pourra prononcer des dommages et intérêts, condamner, enfin en tout cas prononcer des sanctions, etc. Il aura des, des pouvoirs beaucoup plus étendus. Et bref, donc ma thèse qui, qui porte sur ces deux recours sera notamment beaucoup plus intéressant pour les administrés dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Oui, il n'y a pas d'avocat, mais après n'importe quel avocat qui lui est normalement ouais, un expert gris. en droit, euh, on l'espère, on l'espère euh, pourra parfaitement utiliser ma thèse. C'est le but mmh. en tout cas. Ouais, c'est ouais. vraiment de, okay. de présenter une jurisprudence, en tout cas de présenter une logique du juge mmh. et de dire, ben regardez, il utilise telle logique, en tout cas actuellement, parce que c'est aussi le problème du droit, c'est que c'est une matière très contingente euh, okay. dans le sens où ben, moi je fais du droit là d'aujourd'hui, mais dans 20 ans... Euh, ça sera peut-être voilà, changé. Euh, Il ouais. y a de grandes chances. Et c'est d'ailleurs la logique que j'utilise, c'est de dire que depuis une vingtaine d'années, le, ju bon, le juge que j'étudie que, que a une logique euh, qui, est, qui évolue d'une certaine manière, et de dire ben, dans ce cas-là, bon, j'essaie je de faire des prédictions, mais ça c'est très difficile. Mais de dire, euh, voilà, enfin, dans tous les cas, on est conscient, nous juristes, que c'est euh, bah, un peu... Euh, pas dire frivole, ce qu'on fait. Ouais, mais euh... bah, de toute façon, t'as pas, pas le droit de te positionner, non euh, ouais. Sur, euh, je sais pas moi, sur justement, tu disais depuis une vingtaine d'années, il euh, y a des choses qui se passent au niveau mm -hmm. de, des arguments, euh, des moyens et tout du mm -hmm. juge. Toi, en tant que thésar tu dois avoir un avis euh, totalement objectif. Ou est-ce que tu as le droit pas totalement d'être subjectif Alors, non. Je vais, en fait, pas subjectif. C'est, euh, je vais garder, en fait, je peux rester sub subjectif. Mais c'est ce que je dis à mes étudiants. C'est, vous, vous pouvez être subjectif sans que vous utilisez des arguments juridiques. Euh, et en gros, moi je peux très bien venir critiquer l'œuvre du juge, ou en tout cas dire qu'il faudrait utiliser ça au lieu de ça, mais c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la thèse, c'est aussi d'apporter son point de vue à, à un sujet. Euh, et donc oui, je peux parfaitement apporter okay. mon point de vue, l'essentiel c'est que je le fasse de manière juridique, oui que, que ce ne soit pas des arguments de comptoir. Euh, pour conclure du coup un peu sur la présentation de ta thèse, mm -hmm. en quoi euh, cette thèse-là est importante Bonne <laughs> question, c'est une bonne question. Euh... Il, y a, il y a des... en fait, à et... de ce, genre, -ce que j'entends, est-ce qu'en gros il y a des... Il y a des problèmes en ce moment vis-à-vis -vis des, des, oui. des, des jugements, des trucs comme ça Oui, difficile. parce que alors, alors, il y a deux... Il y a deux Quel problème ça va régler aussi et tout ça avec ce... Alors il y a un problème que ça ne va pas régler, euh, qui est, bah, c'est la logique que, euh, dont je parlais, c'est que notamment le juge depuis une vingtaine d'années, trentaine, euh, enfin depuis une, une quelques dizaines d'années, il a une approche, euh, comment dire, euh, d'efficacité du droit. Quand tu parles de juge, c'est pas un juge en particulier, c'est le, le. Ah, le juge administratif. Oui, le juge maîtrisé, D'accord. Pardon d'avoir utilisé euh, le terme efficacité du droit. On va plutôt dire performance. Euh, on est dans un état de droit. L'administration, la personne publique, n'importe quelle, la commune, l'État, euh, doit respecter le droit dans son action. Voilà, quand un maire sort un arrêté, ben, il doit respecter le droit, c'est normal. Et ben, tu as le juge depuis, depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, qui va accepter de plus en plus certaines illégalités au nom de la performance du droit de, et de la performance de l'action administrative. Pour aller plus vite, tout simplement. Pour aller plus vite et surtout pour dire, euh, il va surtout utiliser l'argument temporel pour dire, non mais ça va, ça fait quelques mois que, que, cette, que cet arrêté est installé, on ne va pas bouger les, la stabilité, ce qu'on appelle la stabilité juridique c'est euh... pas radiophonique mais j'aime bien la tête que Robin euh... ouais, alors je suis entre... Robin toi Robin l'intervieweur Robin a fait parce que c'est la même tête que j'ai fait quand il m'a dit euh, la première fois en fait euh, juste des fois ils veulent bon, caricature de ouf hein. ouais. ils veulent aller plus vite c'est ça fais... c'est ah ouais <laughs> tu veux aller plus vite du coup il y a des trucs illégaux on oh, dit ok c'est un vrai, peu vrai. ça c'est une caricature hein, oui, oui euh, c'est une caricature mais c'est ça en fait voilà on, on cherche à promouvoir la, la stabilité juridique plutôt qu'à la légalité de l'action administrative et, euh, et donc ça c'est un problème euh, que vient pas forcément en fait régler ma thèse mais au contraire il vient juste accepter genre euh, c'est une petite pierre à l'édifice. Je, je, de... con je constate en fait ça et je me dis bon ben ok on peut pas forcément échanger grand chose du coup on va s'adapter en fonction de, cette nouvelle, euh, de okay. cette nouvelle logique et de dire bon ben en fonction de cette nouvelle logique préférez plutôt cet argument là préférez plutôt cet argument là et donc elle est importante ma thèse puisqu'elle permet euh, à l'heure actuelle où le contentieux administratif qui est donc pour le diviser encore une fois, là je vous ai divisé les recours tout à l'heure, mais il est aussi divisé en un contentieux très général et dans des contentieux très particuliers. Des contentieux particuliers pour donner un exemple le contentieux de l'environnement, le contentieux de l'urbanisme, le contentieux fiscal. Voilà plein de matières qui donnent très envie. Euh, et bref. Euh, donc c'est une matière extrêmement brumeuse euh, et le but de cette thèse est d'offrir peut-être un peu plus de clarté ou en tout cas euh, de dégager les voies pour, le, pour les parties, pour les acteurs. Et euh, de leur dire, ben, euh, ce, ça ira plus vite si vous faites ça, ou ce sera beaucoup plus efficace si vous faites ça. Tu vas pas voilà. venir changer euh, comment le juge travaille, mais plutôt comment on doit s'adapter euh, au travail du juge. C'est en fait. un petit peu ça. Je suis un petit, ouais, c'est un petit peu défaitiste, euh, comme euh, ouais, euh, peut-être plus pr pragmatique. Qu'on peut faire aussi. Euh, mais euh, effectivement, j'essaie je, d'être voilà, d'être pragmatique et de me dire, euh, c'est pas forcément avec une thèse qu'on va changer le le contentieux administratif, ah Non, surtout plutôt, que ben, ça, il faut s'adapter. surtout qu'en plus tu disais que ça évolue. Que ça évolue. Voilà. Ok. Un milliard de questions qui popent ma tête. <laughs> non, mais c'est, c'est, tr... en fait, c'est très, parce que c'est pas du tout la méthode laquelle je... à laquelle je suis adapté, mm -hmm. de se dire il y a un nouveau problème qui est là, et au lieu de régler le problème, on va s'adapter à ce problème pour le régler. Mm -hmm. En fait, ça me. Bah, c'est un problème en fait qui est euh, politique. C'est politique et structurel en fait. Euh, euh, tu as en fait le droit administratif. Euh, tu m'as parlé tout à l'heure de la loi de comment la changer. faut passer par de longues procédures, par, notamment par le Parlement, le, ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, le Sénat. Ces deux entités, l'Assemblée nationale, je pense que tu connais, ces deux entités forment ce qu'on appelle le Parlement et c'est le grand pouvoir législatif en France. C'est le pouvoir législatif et donc c'est eux qui adoptent la loi. Euh, le problème, c'est que le droit administratif, euh, dans son histoire, il a été construit non pas par le Parlement, par les législateurs, mais par le juge lui-même. Et notamment, ce droit-là a été construit par le Conseil d'État. Je te dis, c'est la plus haute juridiction française, euh, et elle le construit encore aujourd'hui. C'est pour ça que la jurisprudence est une source extrêmement importante pour le droit administratif et pour le droit même général. C'est qu'au-delà de me servir de source, il construit au fur et à mesure, encore aujourd'hui, le droit administratif. Et donc, la difficulté, c'est que... Le droit administratif, et donc toute la logique qu'a le juge aujourd'hui, est détenue par le Conseil d'État. Donc ça a changé de main, en fait, entre temps Non, tout, ça a toujours été le Conseil d'État qui l'a eu. Bon, évidemment, le Parlement peut évidemment, euh, peut évidemment adopter des lois en la matière, et le, le, le Conseil d'État, le juge va dire bon, bah, ok, le Parlement, euh, le peuple, le peuple s'est euh, prononcé, je vais forcément euh, appliquer ce qu'il a dit. Néanmoins, euh, l'élaboration du droit administratif est aux mains du juge administratif, et notamment du Conseil d'État. Et il a il est un petit peu, euh, comment dire, omnipotent, le, le Conseil d'État. Et, euh, et donc on va en général euh, aller dans le sens de ce que dit le Conseil d'État. Et quand je te disais que c'était aussi un problème politique, depuis une dizaine d'années, vingtaine d'années, on a ce qu'on appelle euh, le new public management en France et qui veut que toute action de l'administration doit être efficace, performante. Vraiment, c'est la performance qu'on cherche le moindre coût, aller au plus vite, aller au plus efficace, ce qui est ce qui est ce qui peut être intéressant, mais en fait on applique une logique d'entreprise. Est-ce euh, que forcément le, le service public ou la notion d'intérêt général, c'est pas ouf. Ça c'est C'est critiquable. C'est critiquable. C'est sujet après, à débat. Après c'est sujet à débat mais c'est vrai que quand tu Et donc veux... c'est ce qui fait que c'est que c'est très difficile pour nous de bah, de dire bon mais en fait je pourrais parfaitement faire une thèse de dire mais il faut changer ça, il faut changer ça. Mais j'ai pas envie que ce soit simplement euh, une une thèse qui reste qui reste lettre morte et au contraire mais qui serait très, voilà qui serait qui serait très intéressante. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans mon mémoire euh, de master 2 où j'ai passé mon mémoire à démonter le le juge administratif. Mais en fin de compte on ne propose pas tant de choses. Dans ce cas-là, on peut très bien aussi critiquer et proposer des choses, mais il faut après que le juge l'adopte. Et le juge le fait parfois. Mais moi, je préférais, je préfère avoir cette cette, cette visée un peu pragmatique et de dire, bah, au lieu de s'embêter, qui est une visée très très honorable, de s'embêter à vouloir changer les choses, autant s'adapter. Voilà. Ce qui bizarrement, genre, qui n'est pas euh, qui n'est pas une comment dire une une, une position que j'aurais personnellement, moi, qui veut d'ailleurs, je, je souhaite devenir juge administratif pour changer les choses. Mais là, ma thèse, c'est plutôt adaptons nous Adaptons-nous. Ça sonnait pessimiste au début, et en fait, c'est assez euh, bah, optimiste au final. Ah, ouais, euh... ah, On fait ce qu'on peut ouais. avec ce qu'on a, ça C'est exactement ça. Si on s'adapte et euh, ça changera quand ça change, enfin on va le faire changer, mais ça change Petit à petit, C'est exactement ce que tu viens de dire, genre, on fait ce ouais. qu'on peut avec ce qu'on a et mon but, le but de ma thèse c'est de montrer ce qu'on a. Ah bah écoute. c'est beau. beau. C'est <laughs> <sale, rire> incroyable. Euh, écoute, on va passer sur une partie un peu plus légère, légère on va dire. Si on veut. Mais parce que oui, c'est tout aussi lourd en fait. <laughs> non, non, c'est pas. Mais euh, <laughs> c'est en fait comment tu vis ta thèse non. Alors, comment tu vis ta thèse en tant que, pas forcément en tant qu'humain, tout ce que tu ressens, tout ça, mais en gros, comment, tout à l'heure je parlais de données, je parlais de. Euh, voilà on voit globalement comment se passe une, une recherche en, en science on en a déjà parlé il y a, tu, tu analyses des choses tu as des, beaucoup de chiffres en science voilà t as, t as des tu, chiffres. tu fais des hypothèses, des hypothèses tu hypothèses, testes tu, tu vois les résultats exactement. et tu repars après... c'est assez, assez compréhensible euh, une, une thèse en science c'est en... logique qu'on nous apprend dès le collège ouais, lycée ça, en fait exactement. donc tout le monde le, le voit et du coup toi un peu tu nous as vagu vaguement parlé mais euh, mais euh, voilà comment ta thèse euh, voilà comment tu fais pour la vivre comment tu fais pour la mener à bien euh, outils en fait euh, plus techniques on va dire sans rentrer forcément en détail mon ordinateur <laughs> vraiment non en vrai c'est euh, bah, comme je t'ai dit ma source principale c'est les décisions de justice et, le, et, la, et la littérature beaucoup tout, de documentation du coup, beaucoup hein. de documentation tout est accessible sur internet après j'aime aussi enfin euh, j'aimais passer du temps à la bibliothèque <laughs> Euh, mais, <laughs> cause de confinement, tout est fermé. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'ai commencé ma thèse, euh, et la bibliothèque de droit à Bordeaux est rentrée en travaux pour quatre ans. Ah, ben, parfait. Donc, un petit bonheur, voilà. Et tu es dans d'autres bibliothèques? Go Bordeaux, <laughs> Non. Euh, et oui, donc, non, mes, mes outils principaux, c'est vraiment juste, euh, c'est vraiment mon écran d'ordinateur, et, euh, et voilà. Euh, oui, donc, moi, euh, moi, ma thèse est cofinancée par les entreprises, et toi, tu as passé un concours. Euh, où tu c'est sur dossier ou quoi euh, C'est ça qui est aussi intéressant euh, le fonctionnement euh, administratif du coup de, de ta thèse et la durée parce que une thèse en sciences on a l'habitude de dire et c'est 3 ans et toi et en droit c'est 5 ans donc Alors, je te laisse euh, ouais. un petit peu parler du côté euh, bah, voilà de ce côté là ouais, euh... ouais bien sûr bah, euh, côté inscription c'est bah, ça exactement que, que, que les gens qui, qui écoutent et qui font euh, du droit ouais, ça, pourra ça... ça pourrait l intéresser alors, en droit, il y a deux façons de faire une thèse, donc je vais écarter la celle que je ne fais pas, donc c'est simplement euh, n'importe quel euh, master 2 qui a eu son master 2 peut faire une thèse. Ouais. Et c'est n'importe quel qu pas financé fa... par contre T'es pas financé, tu te débrouilles tu après, tu n'as pas de salaire, tu... Voilà, tu, pas de salaire. Bah, tu peux aller très bien voir des entités soit privées, soit publiques, qui pourraient financer ta thèse dans ce, ce qu'on appelle une thèse chiffre Ouais, on en, en avait parlé déjà ouais. euh, Et moi à côté, je fais ce qu'on appelle une thèse messerie, c'est une thèse ministre de enseignement supérieur de la recherche Alors le I... Je ne sais pas ce que c'est. Intelligente. Ou intellectuelle. Voilà. Je sais pas. <laughs> Ou irréversible. Ou irréversible. Recherche irréversible. Et bref, euh, moi, ma thèse est financée. Donc en fait, c'est comme par... je faisais partie des meilleurs de mon master 2. Bien joué. Euh, merci. Euh, J'ai eu accès à ce qu'on appelle un contrat doctoral. Okay. Et donc qui me permet d'être financé sur trois ans. Euh, d'avoir un salaire sur trois ans, en fait, d'être financé euh, au maximum, euh, enfin, en gros, euh, tout mon salaire est euh, consacré à ma recherche. C'est ce qui me permet, en fait, de ne pas avoir à chercher de travail à côté et de, euh, de vivre euh, juste pour mes recherches. Donc là, on est d'accord, ta thèse, c'est un métier, en fait Exactement. Un métier aussi, chercheur, premier je euh, du terme. C'est-à-dire euh, que mon toi, métier, tu ne fais que de la recherche et Exactement. tu es payé pour ça. Exactement. Mon okay. métier, euh, grâce au contrat doctoral, je suis fonctionnaire de l'université et je euh, je suis chercheur. Comparé à ce que tu disais, euh, des masters 2 qui peuvent faire une thèse, qui eux doivent trouver un travail à côté. En fait, voilà. À moins qu'ils soient acquisés la chance d'avoir les fonds euh, nécessaires pour Pointif. vivre sans. Euh... Oui, voilà. Sans, sans travailler ou alors qu'ils aient une cifre, mais dans ce cas-là, oui, non, ils seront pas employés. Okay. Et donc je fais ça, donc je fais ma thèse, euh, donc je suis financé sur trois ans, le contrat doctoral. Et du coup, une thèse en droit, c'est trois ans. Alors une thèse, en fait, euh, l'université euh, cherche à nous pousser de plus en plus à faire trois ans parce que nous, en droit, la norme en général, c'est cinq ans. Cinq ans, c'est cinq ans, c'est long euh, Déjà, moi, trois ans, je trouve ça. Peut-être euh, un peu long. Imagine moi. Enfin, <rire> <rire> mais on adore ce qu'on fait. ce qu'on. Après c'est passionnant. Euh, mais voilà donc je suis financé sur 3 ans et après il euh, y a ce qu'on appelle des euh, des des contrats des, Attends, des... ADT attaché temporaire d'enseignement des athères. Pardon, At -terre. voilà, des athères. Euh, et donc, en fait, au bout de ces trois ans, à la fin de mon contrat doctoral, j'ai le droit à deux athères, ce qu'on appelle à deux contrats d'athères, atta des attachés temporaires d'enseignement et, et de recherche. c'est prof, en fait. Voilà, en fait, c'est simplement que je vais être payé moins pour travailler plus. <laughs> oui, mais ça, c'est depuis Sarkozy, non C'était pas l'inverse <laughs> oh Voilà, et bref, et... Postcast euh, qui dénonce. <laughs> et à côté de ce contrat doctoral, en fait, c'est l'une des clauses... Qui stipule. Euh, L'une des clauses du contrat doctoral, c'est que je dois donner des cours à côté. Ok, d'accord. Ça, c'est voilà. cool. Et ça, donc je contre. dois je, donc là, je donne des cours à des deuxième année de droit, en droit administratif. Donc je suis ce qu'on appelle un chargé de travaux dirigés. Ok. Et donc là, si ouais, tu, tu pas fais pas les amphithéâtres, tu fais les, non, non, les, les petits groupes. J'ai euh, une trentaine d'étudiants par an. Tu n'es pas ce qu'on appelle un professeur, mais tu donnes des cours. Exactement. exactement. Je suis chargé, chargé d'enseignement, de chargé, ouais, chargé de voilà. ok Comment tu t'allides, du coup, ta vie de prof et ta vie de chercheur c'est déjà obligé. Deux exercices très différents. <laughs> c'est très ouais. différent. Alors ça nourrit l'une et l'autre puisque je fais du droit administratif en cours et ma thèse est du droit administratif. Donc c'est quand même des, des notions qui sont assez connexes. Euh, mais euh, c'est euh, comment dire C'est un peu euh, chronophage mine de rien de d'être euh, d'être enseignant. Ouais, j'imagine. C'est mais... vraiment. Moi j'adore vraiment être enseignant et genre ça me permet en vrai de d'arriver à faire ma thèse. En fait c'est un c'est une bouffée d'air euh, à côté. Mais c'est vrai que quand on a notre école doctorale, donc qui gère en fait tous les doctorants euh, en droit, notre école doctorale en droit qui nous dit euh, essayez de ne pas consacrer plus d'une journée par semaine à vos cours. Dans les faits, c'est impossible. Impossible. Dans les faits, déjà, on donne bon, on n'a qu'une matinée de cours par semaine, mais on a toutes les copies à corriger. Avec le confinement, on a tous les mails à gérer, euh, à envoyer, à recevoir, à répondre. Euh, c'est assez, euh, c'est assez... presque un travail à plein temps, mais enfin pas. Enfin, moi, travail, moi, moi temps, personnellement ouais, je, ne je me vois mal en plus de ma recherche à donner des cours même si j'adorerais hein. euh, au, vu, au vu de mon salaire euh, je, je devrais avoir normalement 80 de mon temps en recherche et 20 de mon temps euh, enseignement là je le consacrerais plus je, je ferai ferais au moins un 50-50 ans OK ouais. OK. Et du coup ouais donc tu disais tu financé pendant 3 ans grâce à la bourse que tu as en étant dans les premiers de ta promo et sur les deux ans après en gros soit t'es prof enfin prof pas professeur hein, mm -hmm, soit toujours tu, chargé tu, toujours ouais. chargé TD. Soit tu trouves un travail et tu finis ta thèse euh, C'est ça. Alors, oui, en fait, j'ai accès de base à ATER. Non, ATER, c'est attaché à ton enseignement, d'enseignement. Tu, tu vas quand même donner des cours. Euh, et tu es payé, en fait, euh, là, tu es payé totalement pour, euh, pour, euh, pour donner des cours. Donc, tu te donnes plus de cours. Là, j'en donne qu'une matinée par semaine. Là, sur... 20%. Voilà. <laughs> et donc, là, j'en je, là, donnerai beaucoup plus. Mais voilà. Ok. Mais c'est possible en 3 ans C'est possible en 3 ans. Il y en a qui arrivent en 3 ans. Ok. D'accord. Très bien. Okay. Et ben c'est très intéressant ah oui mais moi je, je, trouve, ça, je trouve ça fascinant je trouve ça, je ça à... assez aussi moi ce qui me rend assez fou c'est de voir à quel point les personne ne vit sa thèse pareil quoi non, oui, là sûr. pour l'instant genre vous êtes que 3-4 personnes que je connais qui fait des thèses Genre personne a la même vision personne a la même manière de travailler et en plus euh, fou, nous on est tous euh, à l'université de Bordeaux oui et euh, suivant alors là je parle vraiment du côté euh, on est comment et à Bordeaux accéder... et en France et, en France, c vraiment... c ça. et là c'est comment accéder à sa thèse euh, déjà entre les matières c'est différent et entre les écoles doctorales donc que ce soit à Bordeaux Paris ou quoi c'est totalement différent aussi et, euh, et voilà je sais que Robin lui donne des cours moi j'ai pas à en donner mais j'ai un ami qui est en œnologie aussi qui a eu une bourse comme Robin, à partir du moment où tu as une bourse, tu es obligé de donner... Euh, ouais, le, contrat doctoral, le contrat doctoral. contrat Mais ce n'est pas un concours comme toi. Mais vous, ce n'est pas un concours. Non. Donc tu vois déjà... Une audition. C'est à l'air d'être... Mais tout ça, c'est pour accéder à une thèse. Et après, chacun ouais. aussi vit sa thèse euh, ouais. différemment. Toi, tu donnes des cours. Moi, je peux donner des cours en auditeur euh, libre, donc je ne serai pas financé pour... Je n'aurai pas énormément de trucs à préparer, du coup. Moi, je serai... En fait, moi, si je veux donner des cours avec euh, le contrat que j'ai, je suis assistant euh, professeur, en fait. Assistant euh, de TD aussi. Euh, je viens là pour aider en fait. Justement. Alors tu peux être meilleur que le mec qui vient donner cours. Oui, mais c'est pas. Enfin non, non, normalement, c'est quelqu'un qui a un peu d'expérience quand même. Oui, non, normal. Mais et moi, genre, juste une petite question par rapport à tes cours. Euh, D'où, écoute, donc tu donnes des sujets euh, en contentieux administratif En droit administratif général. Droit administratif ouais. général. Donc c'est quand même dans ta, dans ta branche. Carrément, ouais. Et est-ce que les cours que tu donnes, euh, tu, c'est des exercices oui. Si je résume bien. Et les exercices que tu donnes, c'est des exercices euh, que tu connais déjà, que tu prépares en sachant les solutions, ou est-ce que parfois ça t'arrive d'avoir des étudiants brillants euh, qui. Euh... Te donne une solution ou une résolution que tu n'avais pas forcément tout à fait et c'est ça et c'est là que c'est le plus intéressant d'être professeur enfin d'être d'être enseignant c'est de voir vraiment d'une part que le droit administratif arrive à inspirer et de voir que vraiment genre euh, bah, l'étudiant est vraiment euh, intéressé et que ça veut lui faire réfléchir et, et après de le voir proposer des solutions auxquelles on n'a absolument pas envisagé c'est encore plus intéressant et c'est là que ça lance des débats c'est là que c'est très intéressant et ça m'a même permis euh, alors ça m'a permis moi une fois de de réfléchir à quelque chose sur ma thèse. Ah, c'est ça c'est et ça c'est Et ça c'est trop bien. C'est pareil, j'ai une amie qui a qui a qui elle donne des qui fait une thèse en contrat en contrat administratif et qui en donnant un cours de TD administra... de droit administratif avec la réponse d'un étudiant a réussi à trouver tout un plan de sa thèse. Ah ouais, Merci les étudiants. C'est fou. En fait même tes cours te servent un peu d'expérience à ta propre tout thèse. À tout à fait. Tout à fait. C'est fascinant. Et il faut s'en servir, je pense, du coup. Tout à fait, oui. Oui, oui si tu danses pas, il n'y a pas, pas d'intérêt à, à ouais, être, euh, te, être prof. Tu ne te stimules pas, Exactement. tout simplement. Non, mais ça y est, j'ai envie de faire une thèse. Hein. <laughs> T'as envie d'être prof et de faire une thèse. Prof, j'ai déjà fait. Moi, je suis chaud de continuer. Hein, ouais, J'adore ce ouais. métier. Hein, c'est fascinant. Mais c'est vrai que, bah, déjà, je n'ai pas le niveau technique pour le faire, mm -hmm. mais euh, c'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant dans le fait de tu enseignes des choses à des gens, mais même si tu es beaucoup plus qu'à les deux, puisqu'à les puisqu'ils sont là pour apprendre, ils peuvent quand même t'apprendre. Ouais, t'as des fulgurances des fois. C'est ouais, même, ça. Ça. même rien que le fait que tu vois, même... genre, Moi j'ai enseigné les maths. Hum. Euh, j'ai pas enseigné à un niveau extrêmement élevé, mais tu avais quand même... Voilà, a... j'ai dû expliquer les logarithmes, les exponentielles, les dérivés, tout ça. Et des fois, tu dis, putain, il faut que j'arrive à faire comprendre à des mecs. Euh, j'ai enseigné dans une école audiovisuelle donc il y avait tous les bacs. Ouais. Et on se dit, il y a des mecs, ils ont jamais entendu parler de ça. Il y en a, c'est la 10 milliards de fois qu'on leur en parle, Donc je leur mets juste au tableau, ils ont compris. Ouais. Il y en a, il faut que je trouve la for bonne formulation pour qu'ils comprennent euh, ce que je veux dire, que je le mets, que je le transpose sur d'autres choses. Et que dès qu'il y a un connard qui te dit mais à quoi ça va me servir, à lui expliquer à quoi ça va, <laughs> ça va <laughs> lui servir. En quoi c'est important mmh. qu'il sache quoi. Ah ouais. mmh. Vulgariser, c'est plus dur. Ouais. C'est le plus dur et je trouve que c'est un exercice permanent et c'est fascinant. C'est mmh. trop bien. Hein. Même, même moi, genre, mes étudiants... Toi, euh, ça t'anime vachement. Enfin, pour te connaître, euh, personnellement, euh, je sais que les courses... Euh, ouais. tu, tu aussi, tu disais, on, on nous demande de me faire 20%. Euh, toi tu mets aussi plus de temps euh, que le normal à faire. Oui des cours Après moi, c’est volontaire hein. parce que, euh, ouais, ouais. parce que ça t’intéresse et parce que tu as envie aussi, enfin ça se voit quand tu prépares des cours ou quoi? que tes étudiants s'intéressent à ce qui que en tout cas au moins que j'arrive à comment dire à ce que mon auditoire me comprenne déjà parce que c'est pas facile et surtout si je j'arrive à en inspirer au moins un ou deux c'est un bonus incroyable c'est peut-être ça le 20% qu'on te demande c'est peut-être bâclé alors c'est ça et c'est ça qui est dommage voilà c'est qu'on te demande un petit peu de bâcler le bah mine de rien le service public de l'enseignement supérieur quoi c'est un peu dommage mais après nous voilà nous, après on a notre liberté à nous quand même oui, de oui, non, charger. Bien. et on fait ce qu'on veut mais c'est vrai que pour te reprendre c'était un petit peu le, le plus difficile aussi c'est de prendre parfois une matière qui est très embrumée on a l'impression que ça va pas du tout nous servir Alors, rien de pratique, bon on parle genre je donne des cours sur la définition de l'administration ou le qu'est-ce que l'intérêt général quel que le service public, genre j'ai des étudiants comme ça qui donc moi le... bon, à chaque fois j'essaie de prendre un, un cas concret et d'un coup ça parle tu vois genre en fait c'est ce qui a de plus difficile, mais c'est ce qui a de plus valorisant. Ah, c'est très honorable de ta part. <laughs> c'est Nous allons passer à la troisième partie de ce podcast. Alors là, il s'agit de l'interro de Robin. Ah, toujours pas de jingle <laughs> Toujours pas de jingle, mais il arrivera. Il arrivera. Ah, Peut-être que quand vous l'écouterez ce podcast, il y aura un rigueur de Robin. Toujours la petite pression de l'émission. Il je va être ouais. jugé par l'autre Robin, et moi je serai au milieu. Je vais être jugé je... par le juge administratif. Exact. exact. Euh, pas encore, on espère. Et bon. moi je regarde patiemment. Euh, y, y, y. Bon courage. Nous sommes donc sur une thèse en droit qui euh, parle euh, des contentieux administratifs sur le droit public, si j'ai bien suivi. Alors c'est le... de base de... le content. Voilà, c'est voilà, exactement ça. Okay. C'est le contentieux administratif. Point. Je... Je relis mal mes notes. Euh, nous allons donc... Il cherche du coup donc les moyens euh, qui sont mis en place, donc les moyens ici à comprendre comme un argument et. Euh... Du coup, le but, c'est de jauger l'efficacité de ces arguments dans le cadre du coup, des contentieux administratifs. Donc si je vulgarise, euh, tu vas venir en gros noter et euh, évaluer du coup, complètement euh, les différents arguments en jugeant euh, son, effi son efficacité en plus ou moins euh, sur, des, euh, sur le droit public. Comment euh, vulgariser le droit public euh, en gros, sur tout ce qui est des affaires envers euh, l'administration, euh, la mairie. Des personnes morales. Donc des personnes qui ne sont pas vraiment qui sont pas des individus. Exactement. des personnes morales de droit public. OK. Donc en gros, euh, une ville, une, une société. On peut avoir des sociétés publiques. Voilà, voilà. c'est ça. Ouais, tout ce qui est public, en fait. OK. Waouh, OK. Je crois que j'arrive à mieux cerner. Du coup, c'est intitulé un peu euh, très bien. Hardcore. Et alors, juste pour te répondre, qu'est-ce que tu, euh, qu -ce que je vois par efficacité Ce que tu vois par efficacité. Ah, ça, 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 je te ça. le souffle. Ouais, non, je vais y arriver. Mmh. Je, vais, je veux comprendre. Comment je peux te dire qu'un voilà, qu qu argument est efficace C'est si euh, l'argument a convaincu le juge. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, en gros, à quel euh... et tout ça dans le but du coup de permettre à... au futur. Euh litige qui pourraient avoir lieu d'être plus fluide et efficace. Tout à fait. Exactement. Voilà. Voilà. J'adore la tête que tu as à chaque <laughs> fois quand tu vois que tu as compris de quoi on parle. <laughs> je te jure, je suis comme un gamin de 5 ans qui est en train de comprendre un truc, ça ouf. Rend... Tout à fait, c'est exactement Mais ça. Mais c'est que je, je pense qu'à travers ce podcast, je cherche à combler le gamin de 5 ans <laughs> ah, ouais, moi qui bien. a posé trop des bien. questions à tout le monde, c'est trop trop bon. Pourquoi bien. le ciel est bleu Pourquoi tout ça, <laughs> tu vois mais à un autre niveau c'est trop bien est-ce qu'il y a des zones d'ombre encore sur son parce que tu as fini ton résumé alors moi j'ai fini mon résumé est-ce que tu penses qu'il y a encore des zones d'ombre est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas encore bien vulgarisé sur ce que tu viens de dire moi si je peux me permettre le but aussi de sa thèse c'est tout ce qui est clé si tu as dit un petit peu des tu dit, de, hein, faciliter mais... et de, de, de rendre un peu plus efficace ouais, de, les futurs litiges mais voilà, et de s'adapter du coup voilà, en fait, au contexte ça. actuel aussi euh... exactement voilà d'offrir simplement des euh, pour faire simple une d'offrir une stratégie un petit peu aux, aux parties donc tu as dit voilà aux futurs litiges les parties du les coup ouais, les deux parties, ouais, les deux parties exactement euh, donc l'administration et les administrés et d'offrir à ces parties-là une, une stratégie pour euh, comment dire voilà c'est vraiment, ma thèse, c'est la fin et les moyens, c'est de, avec, tel... enfin genre, vous avez une fin, je vous offre les moyens pour euh... Moi, je la fin et les moyens, comme, ouais, fluidifier en fait les, les tonnes et tonnes de litiges qu'il doit y avoir et se dire, bah, l'idée c'est que, bah, normalement, bah, on n'en rentre que 5 par jour. Bah, l'idée c'est qu'avec des bons arguments et euh, une vitesse de, 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 en gros, pas de condamnation, mais de, de jugement euh, optimal, on peut passer à 10 par jour, quoi. Donc genre désemboucher en fait tous les. C'est un petit peu ça. Alors bon, la difficulté, voilà, c'est bon. Après, on, je je cherche pas du tout à avoir une justice expéditive, bien au contraire. D'autant non, que non, non, l'idée, c'est vraiment d'être euh, efficace. Voilà. Bah oui, bien sûr. Oui, voilà, c'est surtout pour les parties, voilà, d'aller le plus, plus vite dans leur travail en amont. Après, pour le juge, je verrai s'il veut l'utiliser, mais ça, c'est pas vraiment mon but. C'est surtout pour les pour les parties. Voilà. D'autant que je veux pas une justice expéditive parce qu'il y a ce qu'on appelle depuis une dizaine d'années en France une norme. Pour les juges administratifs, en gros, ils ont euh, un, une, un certain nombre d'affaires à régler euh, en un jour euh, bien déterminé. Enfin, en un nombre de jours déterminés. Ah déterminé. ouais, déjà dans ça. Ouais. Voilà, une performance. Voilà. Ah, et ça, ce bien qui bien. est assez, je pense, critiquable. C'est là où on voit que c'est intéressant aussi d'avoir de la recherche dans le droit c'est qu'on paye des gens et on encourage des gens à faire ça parce que bah, c'est un métier bien à part et si ce n'était pas fait, ça serait. La galère, je pense. C'est vraiment plus très précis, tu vois. Genre, c'est vrai que le... là, le, le... les mots des fois peuvent se ressembler et comme tu nous l'as bien fait remarquer, il y a plein, de... plein de. Enfin, les mots ont vraiment son... un sens ah, dans oui. le droit et vraiment dans le droit. Genre, c'est parce que autant il y a certains euh, synonymes qu'on peut utiliser dans la vie courante, autant dans le droit, c'est vraiment bien précis de pas se menter. Tu t'es ah, retrouvé ouais, d'ailleurs à un moment, j'ai pas mmh. compris. Fait, il a il toutes a... ses raisons de le faire. <rire> <rire> Donc <laughs> Voilà. En vrai, c'était très intéressant. J'ai l'impression d'avoir appris des trucs sur le droit alors que j'y connais vraiment rien. Ah ouais, je suis trop content. Ça peut être très abstrait euh, Ça m'a fait très plaisir de t'avoir, Robin. Bah, moi aussi. Je, beaucoup je de tout ça Et je suis vraiment trop content. Bah, merci. Hein. Euh, merci à toi Jean d'être avec nous du coup aussi encore une ah ce fois. Bah, C'est un plaisir. Euh, vous pouvez du coup retrouver tous les autres épisodes quelque part euh, sur vos certainement vos serveurs préférés de streaming. La radio est encore en train de se monter donc euh, actuellement, donc je ne sais pas encore où ce sera tout ça hébergé. C'est du prévisionnel. Euh, il n'empêche que vous pouvez partager ça à, à, à tous ceux que cela pourra intéresser. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, si jamais certains Thésars souhaitent venir participer, participer à ce podcast, ils peuvent nous contacter par mail. Et ex aussi. Et ex aussi, on est très intéressé d'avoir euh, tout le monde. Euh, Peut-être qu'après on ouvrira de la vulgarisation plus large, mais pour l'instant on préfère se concentrer sur les Thésars. Euh, et aussi euh, pour vous rappeler très certainement qu'il existera et qu'il va exister un Discord sur lequel vous pouvez venir réagir à propos de ce sujet, sur lequel on vous balancera peut-être aussi de la documentation pour compléter euh, euh, tout ce qu'on vient de raconter. Les sages paroles de Robin. Les sages paroles de Robin. C'est <laughs> comme ça qu'il va s'appeler. <laughs> Les sacro saints. <laughs> <laughs> non, non, ouais, s'il y a des gens qui veulent poser des questions à Robin. Donc euh, voilà, si jamais des gens voilà, veulent poser des questions à Robin, tout ça passe. N'hésitez pas aussi à passer par le mail euh, du podcast. Et on se fera un plaisir de rediriger vos questions. Je me ferai un plaisir de rediriger Intéressante, attention. Oui, voilà, on intéressant. ne petite voilà. sélection si c'est juste pour voir le numéro de Robin, euh, ah, ah. parce qu'il a une voix douce et suave. Il a une voix douce et suave. Euh, Débrouillez-vous. <laughs> <laughs> J'ai laissé des petits indices tout au long du podcast. <laughs> Il a laissé son numéro. Vous pouvez savoir okay. que c'est clé de Bordeaux. Enfin, voilà, voilà. Euh, merci à tous pour cette écoute et on vous dit à très bientôt. À bientôt.